Oula. Et j'en ai perdu ma voix, dis donc. Dis donc, salut. 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 Bon, il est 19h et je crois que je suis encore en retard, dis donc. Oh là 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 là, honte. Salut Nathalie, salut Nadia, les girls, c'est bien. Salut, salut. Il est 19h, allez, on se connecte. Salut Samir, c'est bien un garçon alors que vous connaissez le nom du cours. Ça, c'est, j'adore. J'espère qu'il y aura beaucoup de garçons aujourd'hui pour travailler les fessiers. Oui, maman, je le sais. Salut François. Salut. Salut, comment ça va ma team? Lauria, salut. Allez, on se connecte, on se connecte. Hop, j'espère toujours les 200 petites pêches ce soir. Salut la Grèce, toujours fidèle. Ah là là, je suis très 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 contente. Hello la team, salut. Les girls se sont là. Alors, attendez, je vais essayer de me... Ah, parce que là, vous me voyez comme ça. Hop. Ta-da-da-da. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vu le nom du cours? Stop. Là, on dirait que... Regardez. On dirait que je suis une naine. Je suis toute petite. J'ai pas de bras. J'ai pas de bras, pas de chocolat. Non, mais Flo. Quoi? Secouer la bouteille d'eau pétillante. Putain, j'en ai partout. Bon, par contre, tu seras mignon de ne pas parler pendant le live. Merci. Non, salut. Dis ce que t'as fait, dis ce que t'as fait. Salut. Non. En fait, si vous entendez Chaton qui est juste à côté, je lui ai donné une, eau de, une bouteille d'eau gazeuse. Ben, il croit que je l'ai secoué. Mais non, je l'ai pas secoué. Est-ce qu'on va crier pendant 30 minutes? Alors, vraiment, je me mets vraiment avec toutes mes excuses. Je pense que moi, je vais crier. Voilà. Vous connaissez... Ouais, vous connaissez ma passion pour travailler les fessiers, mon endurance musculaire légendaire sur les fessiers. Et donc, vraiment, je m'excuse en avance si je pousse des cris toutes les deux secondes. Mais vraiment, là, vraiment, quand j'ai pensé à ce cours, je me suis dit, non, Flo, pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi? Pourquoi? Salut Karim, de nouveau sur le live. Eh ben, bienvenue. De toute façon, il y a la place pour tout le monde. Un garçon. On anticipe, on crie déjà. Je te jure, je te jure. Bon, coucou chaton. Chaton, on te dit coucou. Coucou. Il veut pas venir. On va avoir mal aux pêches. Je sais pas. Enfin, je sais pas, hein. Oui, peut-être, si peut-être, mais bon, on adore, ça nous motive. En tout cas, je vais tout faire, je vais me mouiller avec vous, et voilà. J'ai vraiment choisi un cours, vous savez, dans la semaine, au milieu de semaine, il y a toujours un cours renfort. Et bonsoir chaton. Salut. Chaton, il est en train de bosser. Oui, mais chaton, il pourrait dire bonjour. Je le force comme ça. Et qu'est-ce que je vais dire? Il y a toujours un cours renfort au milieu de semaine, parce que là, du coup, on a quand même commencé la semaine très très haute. Et donc là, j'aimerais vraiment qu'on se calme avec, voilà, un petit cours. Oh, dis donc! Voilà, je passe comme ça. Elle va pas me dire toutes les deux minutes. C'est marqué chaton, c'est marqué mais chaton. Mais non, mais c'est vrai, il y a des commentaires pour bonsoir toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. On te voit jamais à Paris. Oui. On doit. Ouais. C'est plus toi qu'on voit à Thionville que moi à Paris. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ça change. Ça change. Vous m'avez vu? Adieu. Salut. Non, il ne viendra pas. Je crois que voilà, je vais souffrir toute seule. Mais du coup, je vais essayer de crier très très fort pour l'embêter. Voilà. Du coup, là, c'est vraiment un cours renforcement musculaire. Par contre, c'est vraiment, j'aime bien le dire, vraiment en focus de ce cours. Là, c'est un cours renforcement fessier, spécial fessier. Mais bien sûr, si vraiment votre objectif, et là il y en a beaucoup, il y a beaucoup de commentaires pour toi chaton, il y en a beaucoup des commentaires, enfin je dis n'importe quoi du coup, il y a trop de commentaires pour toi aussi, non chaton fais pas le cours, du coup il y a, ça me perturbe, voilà, salut Nico, c'était... Excellent Coco, il a tout mangé, voilà, je n'ai rien eu du tout. Donc du coup je te le dis en direct, je voulais t'envoyer le message parce que du coup il me l'a dit tout à l'heure. C'était excellent, merci beaucoup.
Donc, j'aurais aimé goûter, mais j'ai pas pu. Tu te tais. Oui, il a eu peur du cours. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Beaucoup d'entre vous, votre objectif, c'est vraiment de dessiner les pêches. Oui, celle-ci, ce cours, ça va les renforcer. Mais si vous voulez vraiment prendre du volume, ça reste la musculation et uniquement la musculation. Voilà. Il n'y a pas d'exercice miracle. Ce cours comme ça ne fera pas avoir... Vos pêches seront plus fermes. Ça, oui, elles seront plus fermes. Mais par contre, si vous voulez vraiment du volume musculaire, ça reste la musculation et ça reste bien sûr tout ce qui est squat, large et fente, bien sûr. Tous les exercices polyarticulaires, mais bien sûr avec des charges. Donc là, c'est toujours quelque chose que vous n'aimez pas et peut-être que ça vous fait peur, mais je vous promets, la musculation, ça change totalement un corps, genre. Et il y a quoi de plus beau quand vous mettez, je parle surtout pour vous les filles, une mini-jupe avec des fesses comme ça, ou alors les garçons avec un jean, où vous remplissez votre jean. Ouais. Donc le focus pêche, il est aussi bien pour les filles que pour les garçons, d'accord. Et par contre, les filles, on ne travaille pas que les fesses, on travaille aussi le haut du corps. Et les garçons, on ne travaille pas que les pecs, on travaille aussi les fesses. Voilà, c'est 50-50, il faut tout travailler. Du coup, on n'aura absolument besoin de rien. Mais bien sûr, pour ce cours qui voudront peut-être le refaire, si vous avez des ustensiles comme un élastique, bien sûr, vous pourrez le mettre. Voilà, ça c'est vraiment un exercice qu'on pourrait faire avec un élastique. Bon, moi je sais même pas si je pourrais tenir avec un élastique. Mais bon, voilà. Ok ? Bon, écoutez, si vous êtes prêts, on va y aller. Les seuls squats seront en début de séance, ils seront en échauffement. Voilà. Il me semble que j'ai 4 minutes. 4 minutes ! Est-ce que je peux avoir une petite vague de smiley ? S'il vous plaît. Ça va piquer pour moi, je vais faire le circuit training. Ah ouais, super. Tu vas adorer. Est-ce que je peux avoir des smileys? Des smileys? Regardez. Même ma tête, on dirait un smiley. Non, je rigole. Un smiley tout jaune et un smiley tout rouge. Les bleus, je prends, mais je préfère les rouges et les jaunes. Bah oui, il faut qu'on sente l'énergie parce que là, ça va brûler. Ah, j'ai déjà mal, punaise. J'ai déjà mal, j'en peux plus. On est 200! Oui! 200 pêches x 2, il y a 400 pêches. Non mais... Vous vous rendez compte? 400 pêches! On va renforcer 400 pêches. Ouais! Oh, bah on est beaucoup en plus, on est beaucoup. Bon allez, voilà, parce que vous savez que je parle beaucoup, donc vous vous connectez en retard. Du coup, vous n'avez rien loupé. Allez, merci pour les smileys. Hop, que la force est avec vous. Je mets une petite musique d'ambiance, mais là, ça sera sur le chrono. On va travailler une minute. Et se reposer, écoutez, 10 secondes. 10 secondes, c'est rentable ou pas? Une minute de travail pour 10 secondes. Oui. J'attends si tu peux baisser le live, ça serait top. Voilà, parce qu'il me regarde en live alors que je suis juste à côté de lui. Allez. On y va. Non, j'aime pas ça. Je veux... Attendez, je choisis ma musique espagnole. Ah, c'est bon! Allez, tu vas faire avec l'élastique? Ok. Starting the full cardio 5 workout. Warm-up. On y va. On ouvre les jambes vers l'extérieur. On fléchit les jambes, on pousse les fesses vers l'arrière, vers le sol. Hop, on commence par étirer un petit peu l'intérieur des cuisses. Ouh. Allez, bien sûr, si c'est trop intense, vous restez ici. Hein. Ça dépend de votre mobilité de hanche. Hein. Allez, vous gardez le dos parfaitement droit. On rentre le ventre. Ah. On peut peut-être danser d'un côté à l'autre. Na, 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 na. Est-ce que ça fait du bien? Normalement, oui. Allez, placez les deux mains au sol. Tendez les jambes. Ouh. Est-ce qu'on ressent les trois cours de début de semaine là, dans les ischios? Allez, fléchissez les jambes. On déroule le dos tout doucement. Vertèbre par vertèbre. On replace les épaules en arrière. Et on enchaîne avec des squats. Ici, je veux des squats le plus large possible. On appelle squat sumo.
Donc soyez vraiment généreux dans l'ouverture de votre squat. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Aïe, 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 aïe. Ça va être le moment le plus agréable, hein, c'est ça. Hein. C'est les squats. Vous n'aurez jamais autant aimé les squats de votre vie. Mais bon, on se dit 30 minutes, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Allez, focus sur l'ouverture de vos genoux. On a tendance toujours à les rentrer vers l'intérieur. Non, hop, il faut que vos genoux soient bien ouverts. Et on pousse bien ses fesses en arrière. Là aussi, on a tendance, hop, à faire juste un mouvement vertical. Et on va pas pousser les fesses en arrière. Est-ce que vous sentez le travail à l'intérieur de vos cuisses et dans les fessiers? Allez, il nous reste encore 30 très grosses secondes. Je vous promets, là je suis en train de savourer ces squats. Vous aussi, savourez-les. Ah, vous savez, ça sent bon hein, les squats là, ça sent très bon. Je suis tarée? Oui. Allez, stop. Placez les deux mains en planche. En planche. Allez, on replace les épaules au-dessus des poignets. Grimpeur. 20 secondes. 20 petites secondes. Et ensuite, pour terminer cet échauffement, ça sera juste de la planche. Juste gainage, parce que bien sûr, j'ai oublié d'en mettre. Hein. Dans 3 secondes, sans perdre son gainage, vous placez sur les coudes. Allez, let's go. Si besoin. Si besoin, genou au sol. Ici, ça va très bien. Épaules, fessiers alignés. Hop, si vous sentez que vraiment les hanches descendent, vous relâchez quelques instants. Si vous sentez que les fesses montent, vous relâchez quelques instants. Et moi je dis, il nous reste 30 secondes. 30 secondes. Pam, pam, pam. Je connais ma playlist par cœur. Allez, 20 secondes. Pour ceux qui peuvent, on serre les pieds. Il va servir. Allez, on contracte les pêches très 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 fort. 10 secondes. Exercise. On relâche. Je crois qu'on a chaud. Je vais juste mettre le chrono un peu plus fort pour que vous l'entendez bien. Allez, le premier mouvement. On se place sur les coudes une minute avec la même jambe. Sur les avant-bras. Jambes fléchies et on pousse les talons vers le ciel pendant une minute. Aïe, aïe, aïe. Allez, 3, 2, 1. Exercise. C'est parti. Allez, j'inspire en bas, je souffle en haut. On essaye que le genou ne touche jamais le sol. Vous restez le plus haut possible. Et vous le sentez, plus les talons montent vers le ciel, plus ça brûle dans les pêches. Allez, restez concentrés. Ah, le meilleur moment, les 30 dernières secondes. Est-ce que ça commence à brûler? Là, on commence à être pas mal. On commence. Oh, punaise. Allez, restez haut. Restez haut. 10 secondes, 10 secondes. Ah déjà. Rest. Stop. On fait exactement la même chose avec la fesse gauche. Vite. Exercise. La meilleure.
Allez, je vous vois poser les genoux au sol. On essaye de résister. C'est une minute d'endurance musculaire. Une minute. Bah moi, je suis beaucoup plus forte à gauche. Et vous? Aïe, aïe, aïe. Allez, on expire à chaque fois que le genou monte. Je vois pas le chrono, je peux pas vous dire. Rest. Stop, on se place sur le dos, relevez de bassin. Allez, les talons. Alignez avec vos hanches. Exercise. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Allez, à la montée, vous devez aligner parfaitement. Les genoux, les fessiers et vos épaules. Hein. C'est une planche inversée le plus haut possible. Hein. Là aussi, sans que les fesses ne touchent le sol à la descente. Allez, pour ceux qui veulent, pour augmenter un peu plus le piment dans les fessiers, vous levez les orteils. Vous êtes uniquement sur les talons. Oh, punaise! En haut, c'est très simple. Vos pêches doivent être le plus dur possible. Le plus dur. Aïe. Ouf. Ouf. De toute façon, vous le sentez. Rest. On relâche, on refait le même mouvement. Relais de bassin. Mais là, on reste en haut. On ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. Exercise. Maintenir votre gainage. Donc tout en renforçant les fessiers, on va aussi travailler l'intérieur de cuisse. Mais par contre, je vous vois faire ça. Hein. Bam. Là, comment vous dire, il n'y a plus aucun travail. Hein. Allez, on se redresse, pousse dans ses talons, on contracte les fessiers, on rentre le ventre et on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Ouh. Ouh. J'aime bien quand la musique elle nous ambiance, ça motive. Oh, j'ai les fesses en feu. C'est que le premier tour. Il y en a trois, j'ai oublié de vous dire. Il y a trois petits tours. Oh. Allez, gardez les fesses hautes. Gardez les fesses hautes. Rest. Oh, punaise. Allez, on se place sur le côté. La jambe du dessus tendue vers moi. On ouvre. Exercise. On monte et on descend, les os. Allez, je veux votre talon vers moi. Vers moi. Il faut avoir un angle de 90 degrés entre votre cuisse et votre ventre. 90 degrés. Hein. Donc, je ne veux pas un pied ici. Je veux un pied vers moi. C'est très simple. Orteil vers le sol et talon vers le plafond. J'inspire. Je souffle en haut. J'inspire en bas, je souffle en haut. Ouf. Oh punaise, oh punaise, pourquoi? J'ai dit, je m'excuse, je vous ai prévenu, je ne réponds plus de rien. Alors vous savez, ma technique, c'est de manger ma serviette et de crier très fort dans sa serviette. Comme ça, je dérange pas trop. Rest. Bon, allez, on tourne de côté, on a 10 secondes. On fait la même chose, restez face à moi. Allez, de l'autre côté. Oh, punaise. Oh, demain, je marche plus. Exercise. Bon, bah, vous non plus. Hein. Ah, ça brûle encore dans l'autre fesse. Est-ce que je suis la seule à taper ses fessiers? On se fait un peu du mal, mais ça nous fait du bien. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, on s'allonge sur le biceps. Allez, le challenge, ne pas poser l'orteil au sol. Hein. Oh. 30 secondes. Si jamais vous êtes dans le noir, j'ai pas envie de vous dire l'option, mais quand même, c'est ces jambes fléchies. J'ouvre et je ferme. Hein. Mais moi, je dis, on a commencé jambes tendues, on garde jambes tendues. Hein. Oh punaise. Oh punaise. Allez, 10 secondes. 10 secondes. Non, il faut qu'on s'y habitue.
plus jamais. Je vous promets. Hein. J'aimerais vous dire la solution. Ah Rest. Allez, on se place. Bras tendus. Une jambe fléchie. Je tends et je ramène. Exercise. Allez, le pied plein, bien flex. Vous ramenez le genou vers le coude et ensuite vous poussez avec votre talon vers l'arrière. Comme si vous donnez un gros coup de pied en arrière. On fait 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Ah, punaise. Quand ça siffle, on change. Jambe gauche. Allez, on change. À gauche. Ah, punaise. Donc ici, cet exercice, c'est intéressant de le faire avec un élastique. Vous tenez une partie d'élastique avec la main et l'autre, vous le mettez dans le pied. Et comme ça, vous pouvez sentir la résistance. Allez! Ah, c'est bien quand on fait 30 secondes, hein? Rest. La bonne nouvelle, on a fait les 7 exercices. La récup, c'est du gainage, mais on va travailler les fessiers. On ajoute des tapes alternées. Allez, planche. Recovery. J'ouvre, ferme. J'ouvre, ferme. Donc là, gros travail sur vos fessiers. Vous devez les serrer au maximum. Sinon, vous allez faire une pyramide. Non. Donc, si besoin, un genou au sol. J'ouvre et je ferme. Mais quand vous faites la tape vers l'extérieur, je veux une jambe bien tendue et non relâchée. Vous voyez, là, c'est tout mou. 20 secondes. Ah! Dans 15 secondes, on reprend tout depuis le début. On va tout enchaîner à chaque fois. Il n'y a pas de pause pendant 30 minutes. J'ai oublié de vous le dire. Stop. Exercise. Extension. Allez, j'en fléchis. Punaise, on va avoir très chaud. Et ouais, c'est l'avantage de renforcer un muscle fort. Ça nous fait tout de suite transpirer, hein. Plus il est puissant, plus ça donne chaud. Allez, comme tout à l'heure. On reste le plus haut possible. Plus vous descendez et moins c'est drôle. Hein. Il faut limite rester comme ceci. Hein. Comme ceci. Hein. Allez, 30 secondes. Vous savez ma technique, c'est j'attrape mon tapis. Soit la serviette, soit le tapis. Allez, en haut. Par contre, faites attention avec trop d'eau, il doit toujours rester droit. Restez droit. Oh, punaise. Oh. Allez, 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Ouh. Rest. Allez, de l'autre côté. Allez, de l'autre côté. On y va. Jambe gauche. Exercise. Allez, soyez à l'écoute de votre corps. Ressentez à quel moment vous sentez la fesse s'activer. Quand vous êtes en haut ou quand vous êtes en bas? Moi, je pense que c'est quand vous êtes en haut. Allez. Oh, punaise. Ah, la technique attraper ses cheveux aussi. J'ai eu toutes mes astuces débiles. Je pense que je vais verser ma larme dans ce cours, je vous promets. Rest. Pardon, pardon. Relevez le bassin. Relevez le bassin, on reste poli. Ah, punaise. Pardon. Exercise. Par contre là, si vous faites ça, vous le sentez, hein,
vous pourrez en faire 500 milliards, 500 milliards, hein. Là, vous allez sortir aucun travail. Par contre, plus vous poussez avec vos talons, là, ici, quand vous êtes le plus haut possible, vous dites, oh punaise, ça brûle. Je crois que vous êtes bercé par ma respiration, je dois être bercé par la vôtre. Hop, on sent plus, j'ai oublié de dire oui. Là, trop tard, levez les orteils. Rest. Allez, on reprend les relais de bassin. J'ouvre et je ferme. Allez. Exercise. Je suis obligée de faire l'autre côté. J'ai dit que je vous lâchais pas. Je ne vous lâche pas. Allez. Allez, 30 secondes. 30 secondes. C'est vraiment un travail de concentration. Parce qu'en fait, si on se laisse envahir par la douleur va prendre de dessus. Et là, on va lâcher. Mais en fait, il faut juste se dire, vas-y, j'ai une minute à tenir. Je tiens. Vous restez concentré sur votre respiration. Et c'est bon. Et c'est bon. La douleur ne prendra pas le dessus. Rest. Allez, sur les mains. On reprend notre kickback. Allez, exercise. Allez, vous poussez loin derrière avec votre talon. J'inspire, je souffle. Allez, on le sait, on n'a que 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Hein, profitez. Pour ça qu'il faudrait un élastique, hein, pour avoir un peu plus de sens.
sensation. Allez, 10 secondes. Rest. On reprend la planche, mais cette fois-ci, on fait une tape vers le haut et non vers l'extérieur. Allez, planche. Recovery. Orteil, hop, droite, on lève un pied, puis l'autre. Mais bien sûr, je dois faire ça. On redescend les pêches, merci. Donc si besoin, genou seul. Allez, 30 secondes. Donc là, vous devez là aussi contracter au maximum, sinon vous allez vers la pierre ligne. Hop, on serre les pêches. On rentre le ventre. Pas besoin de monter très très haut. Extension, dernier tour. Exercice. Allez, on y va. Est-ce qu'on peut rester en pulse? Uniquement en pulse. Vous avez vu comment ça passe vite, 30 minutes, c'est ouf. Ça passe tellement vite. Allez, le plus haut possible, on reste en pulse, en pulse. C'est déjà le dernier tour. Ah, là, ça y est, on retrouve le sourire, on se dit yes. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Allez, 30 secondes. Allez, Mathilde, j'ai dit des pulses, des pulses. Pas 15 secondes. Oh. Eh, ça fait trop du bien de crier dans sa serviette. Je vous promets ça, atténue les sons, mais qu'on peut crier encore plus fort. Rest. Jambe gauche. Ah. Exercise. Pulse. C'est quoi une minute? Faut juste relativiser. C'est quoi une minute dans une vie, hein? C'est rien. Là par contre, si vous voulez avoir les fesses fermes, des pêches bien dures, même si on les préfère juteuses, hein. Rest. Relevez bassin. Aïe. Dernier tour. Ah. Exercise. Rest. Ça continue à brûler. Et là, ça va mieux. Vous avez vu? Allez, relevez le bassin avec les ouvertures. Exercise. Allez, j'ouvre, ferme. J'ouvre, ferme. Allez, poussez dans les pieds, poussez dans les talons pour être le plus haut possible, hein. Pour le dernier tour, là, je veux vraiment... Je veux plus de fraises de... J'ai dit de fraises.
Est-ce que j'ai une envie de fraisier? Ben non, je pense pas. Allez, je veux plus des fessiers qui touchent le sol, hein. Allez. Ouh. Oh, la sensation. Non, mais par contre, c'est un kiff, vous vous rendez compte? C'est un kiff quand même d'avoir mal. Ah ah. La fille, elle est possédée. Il y a l'ange et il y a le démon d'un côté. Eh, franchement, vous pourriez dire que je me mouille avec vous, hein. Franchement. Ah, le pire. Allez, on se met sur le côté. Sur le côté. Je crois que c'est lui que je déteste le plus. Exercise. Allez, dernier tour. Dernier tour. Je sais que vous êtes avec moi. Allez, on y va, on y va, on y va. Ouh. Moi, je sais pas pour vous, mais c'est vrai que j'aime bien fermer les yeux. Comme ça, vous êtes vraiment dans votre bulle. Dans votre bulle, hein. Donc, on a dit quoi, hein? On se laisse pas envahir par la brûlure. On ne se laisse pas envahir. Prenez un rythme, hop, et vous le quittez plus. Allez, allez, 30 secondes. Ma team, 30 petites secondes. En fait, c'est vraiment ça. 30 secondes, on est bien, hein. Mais c'est la minute qu'on n'est pas bien. Non, qu'est-ce que je viens de vous dire? On reprend le dessus. Eh, j'ai pas posé le pied encore. Je ne poserai pas le pied. Rest. Exercise. Allez, c'est parti. Oh non. Oh non. Oh non, 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 non. Allez, ma team, je suis avec vous. Ah non. Allez, c'est rien, on fait des choses beaucoup plus dures dans la vie, hein. On peut tenir 30 secondes. Non, mais faut relativiser. Je vais pleurer. Ah, j'ai pas lâché, n'empêche. Rest. Ah, ça y est. Vraiment, je m'excuse, hein. Pour ceux qui n'aiment pas les coachs expressifs qui crient, là je m'excuse pour ce coup, hein. Vraiment, là je suis dans le mal absolu. Allez. Ah. Il nous reste le gainage, on mixe les deux exercices, 30 secondes, tape latérale, 30 secondes, on lève. Allez. Recovery. Oh, c'est pardon. Ah ben, la moitié du temps. Allez. Allez, sur les orteils seulement si vous sentez que vous êtes vraiment bien aligné. Hein. Je sais qu'à ce stade, c'est difficile de contracter les fesses, mais il faut les contracter. Ah, j'en perds ma voix. Allez, top, au-dessus. Allez, ma team, 10 secondes. Oh, punaise. Ah.
done. Great workout. You spent 31 minutes 10 seconds exercising. Oui, parce qu'en fait, le cours, il fait plus de 30 minutes. Je vous ai menti. Mais je voulais pas vous dire la vérité. Aïe, 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 aïe. Allez, on se fait un baby stretch. Non, musique. Je change de musique, restez. Là, on va étirer nos pêches, sinon demain, on marche plus. Demain, on marche plus du tout, là. Oh, la vache! On l'a fait! Je veux dire, on est possédé. Allez. Hop, on fléchit la jambe droite ou la jambe gauche. On allonge l'autre jambe. Hop. Et on plonge sur le sol. Meilleur moment. Oh là là, ah, je m'en remets pas là. Ah, je m'en remets pas du tout. Eh, c'est rien comparé au full cardio acte 5. Hein. Je préfère le full cardio acte 5 niveau intensité que celui-ci, c'est beaucoup plus dur. Allez, on s'assoit et on ouvre. Vous attrapez votre pied et vous plongez. Ah. Sur votre cuisse et faire un petit bisou à votre genou. Là, c'était ouf, hein. Ça nous a plu, non? Avouez. Là, vous dites, ouais, la meuf, elle fait la maline. On change. Elle fait la maline. Il y a deux minutes, elle est en larmes. Allez, on change de côté. Mais oui, mais c'est ça qui est... C'est ça la magie du sport en fait. C'est pour ça qu'il faut, il faut vraiment ne pas hésiter à se challenger. On a ultra mal, on se demande comment on va y arriver. On tient et après on est juste trop fiers. On est tellement fiers. Allez, on s'assoit, on ouvre et on plonge sur sa cuisse. Et là, vraiment, vraiment, je vous applaudis très, très fort. Je sais que vous avez été au top, je sais que vous avez été canon. Ah là là, je sais que vous êtes allé chercher au plus profond pour essayer de tenir la minute. Je suis fière de vous. Good job. Ouh. Ouh. Tu te tais? Alors, et plus de batterie. Alors, non mais regardez ma tête. Regardez, je vous montre tout. Non mais regardez, c'est qu'un 30 minutes fesses. Alors, bravo Flo, tu as tenu. Oui, j'avoue, je pense que je suis plus dans le mal que vous. Hein. C'était trop top. Ah, merci Mathilde, bon, si ça vous plaît. Hop, je connecte. Alors, du coup, j'ai pas vu les commentaires. Aïe. Alors, ah, trop bien. Comment ça vous a plu ce petit format 30 minutes? Oh là là. Comment ça vous a plu? J'arrive déjà plus à marcher. Non mais ouais. Oh, merci. Merci Jennifer. C'était trop top, cool. Nouvelle recette sur, ajoutée sur Marmiton. Les pêches en feu, exactement. Ça y est, c'était fun grâce à toi. Je m'excuse. Vraiment, j'aimerais être beaucoup plus... détaché de la douleur, mais un cours comme ça, c'est pas possible. Hein. Vraiment, sachez que les coachs qui crient pas, c'est les coachs qui ne le font pas. Hein. Avec des laisses d'un kilo 5, yes mon poulain. C'est bien, on a des super pêches grâce à toi. Format génial. Donc ce format, n'hésitez pas à, si jamais vous en voulez plus, à l'ajouter à un autre cours. Par exemple,
un autre cours de un 30 minutes Tabata par exemple, un cours vraiment cardio, ben vous pouvez ajouter ce cours là 30 minutes, comme ça ça vous fait une heure de training. Voilà, c'est vraiment un cours vous pouvez ajouter avec un autre, voilà, ou alors peut-être un cours de 45 minutes, comme ça ça vous fait une heure et demie. N'hésitez pas. Voilà. Ou sinon, un jour, vous avez juste, bah voilà, comme là, comme dans mon planning, un cours où pendant 3 jours, vous avez fait les foufous, bah là, vous vous calmez. Dur, mais fun. Yes, Nico. J'aime bien quand mes attaqueurs, ils font des cours comme ça. Yes, c'est génial. Ah non, mais c'est redoutable. Hein. J'ai dit, hein, un body attack, c'est rien. Hein. Pour ceux qui ont peur du body attack, c'est rien comparé à ça. Je pense que demain, j'aurai des séquelles. Ouais. J'adore... j'adore la pureté de ce cours. Travailler lentement, c'est génial. Bah oui. Et là, c'est vraiment un cours accessible à tous. Là, il y a pas de pression. Vous avez vu le cardio monte juste parce que c'est les fessiers, mais ça reste quand même. On n'est pas monté. Ça fait juste mal musculairement. Voilà. J'ai eu tellement mal, mais tellement mal. Merci, ça me rassure. Népêche n'était que brûlure. Je ne sais pas s'il faut te remercier. Bah, tu me remercieras pas tout de suite. Pas tout de suite quand tu auras oublié ce qui vient de se passer. J'ai ri nerveusement avec toi. C'était une cata. Là, j'aimerais tellement. Et c'est pour ça que je me dis, moi, les cours d'ado fessier avec moi, c'était très drôle. Vraiment, c'était très drôle. Et parce que du coup, il y avait vraiment dans la salle, c'était que des gens qui, bien sûr, souffraient. Et du coup, on rigolait. Et du coup, moi, c'était un plaisir d'enseigner un cours d'ado fessier. Et là, du coup, j'aimerais tellement vous voir. J'aimerais vraiment vous voir. Donc si, quand on le refera, n'hésitez pas peut-être à vous filmer. Vous pourrez bien sûr peut-être soit les poster sur le groupe privé ou juste filmer en accéléré. Mais moi, j'aimerais vraiment vous voir sur un cours comme ça. Ah, j'aimerais vraiment vous voir. Parce que normalement, un cours comme ça, je suis pas la seule à crier. Je suis pas la seule. Un peu cramé sur le côté aussi. Ouais, pour moi, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Avec l'élastique, voilà. Mais après, par contre, du coup, comme vous l'avez fait, si vous l'avez jamais fait, vous venez de le faire et vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à le faire avec un élastique. Ouais, sur tous les exercices, pour mettre un élastique. Là, c'est encore plus ouf. Hein. Par contre, moi, c'est sûr que je tiens pas la minute. Là, c'est sûr que je la tiens absolument pas. Ah, vous pourrez me jeter des cacaillous, n'importe quoi. Vous avez vu, je vous ai fait un mélange de cailloux et de cacahuètes. Des cacaillous. Je suis désolée. Non, mais ça, c'est la douleur. Je craque. Non, mais franchement, je vous promets, j'étais dans le noir absolu. J'essaye vraiment de changer, de vous donner des cours différents pour que vous gardiez la motivation. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile en ce moment. Donc, je sais que c'est difficile en ce moment. Et du coup, bah, moi, j'essaye vraiment vous apporter du sourire. Et voilà. Donc, j'espère que ça marche. Demain, haut du corps. Je sais pas. Ah, il y a un vive la Lorraine, chaton. Ouais, vive la Lorraine. Bah, je vais bientôt être Lorraine d'adoption, hein. Ouais, je vais quitter mon Paris. Vous inquiétez pas, je le quitte un petit peu, mais ouais. Enfin, je vais quand même quitter Paris, quand même, un petit peu, mais... Bref. bravo, la team. Alors, je suis d'accord, les full cardio body attack, c'est rien par rapport à la brûlure dans les fessiers. Ah non, mais oui, c'est rien du tout. En body attack, il n'y aura jamais un cours comme ça. Il y a un petit travail sur les fessiers, mais... C'est infime.
C'est un sim. Trop bien, la concentration, exactement. Yes, Sophie. On va penser à toi demain, juteuse pour tous. Voilà, vous êtes au top. Vous êtes au top. Tu nous fais trop rire, Courfam. Avec un mal de tête, secours génial pour changer. Pour changer le mal de place. Eh ben, exactement. Exactement. Donc, bravo. Bravo, Mélanie. Je voulais prendre l'élastique, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Bah, en général, comme j'ai dit, il faut, sur toutes les extensions, par exemple, le premier exercice, il faut que tu le mettes dans ta main et l'autre dans ton pied, ici. Comme ça, tu vas sentir tu vas sentir le travail pour tout. Non, je ne sais plus parler. Même pour le kickback. Après, pour les relevés de bassin, quand on fait les ouvertures, il faut que tu le mettes au-dessus du genou. Au-dessus du genou. Quand on ouvre. Après, si vous voulez un peu plus de sensation sur le relevé de bassin quand on faisait les singles, bah forcément, il faut mettre un poids sur les cuisses. Sur les cuisses. Comment on peut intensifier ? Non, ouais, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a fait ? Et aussi... quand on a fait l'ouverture jambes tendues, il faut aussi mettre l'élastique au niveau des genoux. Ok ? Donc c'est soit sur les extensions main-pied, et sur toutes les ouvertures, c'est au-dessus de la rotule. Voilà. Comme ça, vous savez tout. J'aimerais bien vous montrer un cours avec élastique, mais là je vous dis, là mon rôle, comme on dit, rôle modèle de faire les exercices, il n'y aura plus du tout de rôle modèle. C'est X. Ouais, je ne tiens pas. Je ne tiens pas. Oui, c'est X, c'est pour ça que... Ouais. Oui. voilà, du coup, Claudette, tu as ta réponse. Julia, première fois en live, habitude en replay. Eh bien, super ravie. Eh bien, je suis très contente. Merci, Julia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment, je veux vraiment... je sais... Je non, mais je suis dans le mal. Je sais pas à quel point vous dire... À quel point c'est un bonheur de vous faire ces lives. Vraiment, c'est un bonheur. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. C'est un bonheur. Voilà, c'est un... Voilà, je ressens votre énergie. Merci pour tous vos messages. Et voilà, c'est un plaisir. Bon, j'ai dit que je vous libère à chaque fois avant 8 heures. Là, c'est bon, je suis dans le timing. Je vous imagine en train de... Ouais. Je nous imagine tous en train de râler pendant les exos. Eh ben oui, Flo, exactement. Tous. Flo ? Tous. Non, c'est Florent. Flo, fidèle à mes cours depuis des mois. Des mois, depuis le premier confinement. On a tous crié en cœur, t'inquiète. Ah, bah ça me fait plaisir, Nathalie. Ça me fait plaisir. Ne pleure pas. Arrête, c'est contagieux. Bon, bah je crois que vous avez rigolé avec moi. Bon, bah ça me fait plaisir. Voilà pourquoi je vous fais des lives, on répond de rien. Oh, vous êtes trop chou. Cacaillou. On pensera à tes cacaillous en montant dans les escaliers demain. Je vous conseille pas de manger des cacaillous. Ah bah non, C'est vrai que vous... Ouais. Ouais, voilà, je suis... Oh, vous êtes trop chou. Je rigole toute seule, fou rire. Oh là là. je dois être sado, mais j'adore ce type d'exo. Bah oui, on l'est tous, hein. Là ça y est, on se sent mieux, hein. La brûlure est passée, et on se sent archi bien, quoi. Ouais, on aime tous, mais on aime tous, parce que là, on sent vraiment qu'on travaille. On sent, voilà, il n'y a pas de... Parce que des fois, il n'y a rien de plus frustrant dans un cours, on ressort, on se dit... Vas-y, t'as senti ? Rien, que dalle. Ah ouais, ça vous est déjà arrivé ? Ça m'est déjà arrivé, hein. Et par respect pour le coach, je restais, mais c'est juste par respect, hein. Mais sinon... Il n'y a rien de plus frustrant. Alors. Extension, voilà, très bien. Extension. Allez, j'enchaîne. Allez, adieu Flo. Allez, c'est parti. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Le bonheur, c'est de nous retrouver, ouais, tous les soirs. C'est la motivation de la journée. Ouais, parce que vraiment, vous dites qu'on se retrouve. Voilà. C'est pas juste vous, c'est pas juste moi, c'est vraiment la team. Et c'est pour ça que je vous ai envoyé un petit message vraiment ce soir sur le groupe. Je veux vraiment vous dire que vous êtes au top, quoi. Non,
Non, mais à un moment, c'est la team qui s'est créée. Je pense que je vous le dis tout le temps, mais c'est juste incroyable et je suis ultra fière de nous. La motivation est difficile à avoir, mais en fait, on a tenu et ça fait des mois qu'on tient et on tiendra encore. Voilà, et hors de question que j'arrête, hors de question que vous arrêtiez aussi. Voilà, et au contraire, la team va s'agrandir. Donc, bravo à tous! Allez, mes pêches, du coup, vous savez, pour le planning de demain, je ne fais plus de publication. Vous savez que j'ai repris mon travail. Et du coup, faire un post, hein, ça, c'est long. Ah oui, je ne pêche pas. Alors, du coup, je mets à jour le planning de la semaine. Du coup, il faut revenir sur les anciennes publications. Je l'ai posté dimanche. Et dans la journée, vous verrez le nom du cours. Voilà. Le nom du cours, donc soyez actifs et si jamais vous n'avez pas le nom du cours, vous avez juste à poser la question sur le groupe privé et là, il y a toujours des personnes qui vont répondre pour vous, à ma place. Ok ? Donc demain, bien sûr, cours différent, voilà, vous aurez bien sûr la surprise. Allez mes petites pêches, on se donne rendez-vous vendredi 19h pour le 5e jour de la semaine. Allez, bravo à tous, vous êtes au top et vraiment c'était un plaisir. Merci à tous. Allez, merci mes pêches, je vous fais des bisous.